très compliqué. On a raté deux grosses occasions en début de première mi-temps. Et on a su prendre l'ascendant. Je veux dire, on a réussi à, psychologiquement, on a été fort mentalement, ce qui nous a permis de revenir à 2-2. Et on se fait beaucoup peur, on se fait énormément peur. Après, ce qui nous met en danger aussi, c'est notre jeu de possession, parce que dès qu'on la perd, on est haut. Il n'y a qu'à faire sauter, et c'est du beurre. Mais c'est notre jeu, donc je pense qu'on va continuer comme ça, avec les risques qu'on va continuer de prendre, je pense aussi. Mais peut-être qu'eux aussi sont très très friables derrière, donc ça peut finir 3-3, 4-4. Je pense pas que ça finira 2-2 en tout cas. Ce but en début de deuxième mi-temps nous a complètement plombés. Après, offensivement, on fait un bon match. Défensivement, c'est très limite. Ils sont à chaque fois passés derrière notre dos et chaque fois c'est passé. Et le troisième but, on leur donne. Quoi. C'est une erreur de débutant et en espérant que ce but-là ne coûte pas la qualif par rapport au match retour. Quoi. Je trouve qu'on avait aussi beaucoup d'occasions qu'on ne concrétisait pas, mais. Bon, c'est comme ça, je compte sur le match retour pour faire quelque chose. Je pense qu'il y a moyen, il y a toujours la place. Là, avec un but d'écart, moi, je pense qu'on se qualifiera. Je suis très confiant. Au Vélodrome, on sait que tout est faisable. La preuve en 2018, contre Leipzig, on a su retourner la situation. Et le Vélodrome à Marseille, avec l'Europe, c'est tout pour nous. Donc on y croit et on y croira jusqu'à la fin. Rejoins la communauté OM sur YouTube. Abonne-toi en cliquant ici.